Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo spéciale Halloween, puisque effectivement c'est ce soir. Donc du coup, j'ai fait un petit décor sombre avec une petite lumière et des jeux que j'ai trouvé dans le store qui ont un rapport avec Halloween, bien entendu, avec le monde d'Halloween. Donc Plante versus Zombie, ça un jeu très très connu où on va devoir chasser les zombies à l'aide de plantes. Donc ça c'est on va tester les trois Plantes versus Zombies. Là c'est la toute première version qui date de très longtemps, il y en a deux autres qui sont sortis après. On va aller tester les trois. Donc c'est parti pour le let's play. Alors, toucher un paquet de grains pour le ramasser. J'avais déjà joué il y a très longtemps à ce jeu. Hop, on poste un gars ici et c'est parti. Toucher le soleil qui tombe. Ok, hop, on ramasse pour pouvoir avoir des soleils. Ok, continue. Tu as ramassé des soleils pour faire pousser d'autres plantes. Ok, donc grâce à ça, on peut faire planter plein de plantes. Ne laissez pas les zombies atteindre votre maison. C'est parti, je passe un petit peu en accéléré pour que vous puissiez kiffer la vidéo. C'est parti. Ok, voilà pour cette toute première partie. Donc bon, le jeu est toujours aussi fun. Là pour le moment c'est très très lent, c'est niveau 2, niveau 1 je veux dire, c'est juste pour se mettre dans le bain. Je vais faire un cut de la vidéo et on se retrouve juste après pour un niveau un peu plus intéressant. Ok, on y est au niveau 4, j'ai réussi à tout débloquer. Et puis là, on est parti pour défendre notre maison. Alors juste... voilà, donc j'ai débloqué, comme vous pouvez le voir, deux autres personnages. J'en ai déjà testé un, c'est la cerise. Alors, attendez, parce que là, je vais me faire dégommer sinon. J'en ai testé un, c'est la cerise. La cerise, elle permet de juste faire une grosse explosion, donc il faut l'utiliser quand il y a la dernière vague qui arrive. Et là, je viens de débloquer la patate, voilà. Donc on va tester aussi la patate. La patate, c'est simplement pour les ralentir, voilà. Donc pour pas qu'ils arrivent jusqu'à nous. Donc on va tester ça juste après. Pour le moment, je défends un peu mon territoire. Tac, tac, tac. Vous approcherez pas, les gars. C'est pas possible, ça. Moi, je vous le dis. Hop, ça, ici, c'est chez moi. Hop, on va en mettre un là. Ça, on va le mettre là. Et c'est parti. Donc là, j'ai mes tournesols qui vont me donner des petits soleils pour pouvoir avoir un max de personnages et préparer la vague. Vous voyez, en haut à droite, j'ai justement quand est-ce que ce sera la vague. C'est quand le zombie arrivera au niveau... alors, attendez, je suis en train de me faire bouffer, moi. Tac. Quand le zombie arrivera au niveau du drapeau avec la cervelle, là, tac. Donc du coup, là, je suis en train de préparer tout ça. C'est parti, personne va arriver mon gars, personne va arriver. Ça c'est mort, putain, je vous souhaite aussi que le jeu est assez sympa, vous avez testé si vous voulez, si vous connaissez peut-être déjà d'ailleurs, donc c'est hyper avant. Regardez-moi si il a pas trouvé quoi faire avec ce chose, il se met sur la tête. Ah ouais, donc il est plus difficile à battre en plus. Ok, hop, allez, toi tu vas te mettre ici mon gars, on va défendre le territoire, on est là, on représente. Hop, allez, on y va. Donc là il faut au moins deux gars quoi, qui sur chaque team. Donc on va en mettre deux. Alors, et les patates, j'ai envie d'en mettre une. Je vais quand même déjà voilà, en mettre deux dans chaque ligne, comme ça on est tranquille. Je vais arrêter juste après cette partie pour tester les autres versions. Voilà, pour pas faire la vidéo, genre encore une fois trop longtemps. Tac, tac, donc on va juste. Oula. Hop, on va sécuriser un peu tout ça là, on met des petites patates. Allez, on va jusqu'à la vague, c'est bientôt. Attention, j'ai essayé de vous montrer aussi le cousin des patates. Le gars qui va s'exploser là. Hop, il y a de plus en plus de monde avant la vague, c'est pas très bon. Allez, c'est largement assez de trucs pour mettre une patate et un gars qui s'explose. Alors, je veux bien une patate s'il vous plaît. Merci. Patate. Hop, j'ai 300 trucs, je sais pas. C'est une patate encore là? Non. Il veut pas mettre une patate. Et bon. Ah non, la patate, ça met du temps à arriver. La patate met du temps à arriver. Ah là 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 là. Elle met du temps à arriver, la patate. Ok. Toi, tu vas te mettre là. Tu vas renforcer un peu. J'ai largement assez. Je vais vous montrer ce que ça fait, ça. Attention. Et boum. Vous voyez, ça les expose tous. Hop. Ah, par contre, ça met du temps à revenir. Ah bah, bon. Ce niveau-là est assez simple. Hein. Faut aller vraiment beaucoup, beaucoup plus loin pour que ça commence à être un peu compliqué. Donc, je vous conseille le jeu. Testez-le. Vous allez voir, au début, c'est assez simple. Oh, j'ai gagné une pelle. Je sais pas ce que c'est que la pelle. La pelle... ok. Donc, on a gagné une pelle. Creusez un espace pour vous libérer d'une plante. Ok.
En fait, c'est pour pouvoir supprimer une plante. Maintenant, on peut supprimer une plante grâce à ça. Donc voilà, j'en suis au niveau 5. On va tester tout de suite l'autre version, la version numéro 2. Donc ça, c'était la toute première version qui est sortie il y a quelques années. Ils ont sorti une deuxième version. On la teste tout de suite et on se retrouve juste après ce petit cut. Ok, on se retrouve tout de suite juste après le petit cut, comme je l'avais dit, pour Plante versus Zombie 2. Celui-ci, je ne le connais pas du tout. J'y ai jamais joué. Donc c'est parti, on va dire jouer et on va tester tout ça. Alors, j'ai beaucoup d'attentes parce que j'aimais beaucoup ce jeu à une époque où j'étais encore étudiant. Et le numéro 2, franchement, j'ai jamais joué. Le design a changé. On retrouve les mêmes personnages, mais le design a changé. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est une animation? Je fais rien? Je lève les bras? Ouais, pour moi, c'est une animation. Je lève les bras. Ok. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'était juste pour patienter le chargement, je pense. Ok. Voulez-vous lancer le didacticiel? Non, mon gars, on sait jouer, nous. Chargement est un peu long. C'est parti, donc. Le piment de la bamba. Oui, bonjour, monsieur. Salut. Je peux vous emprunter la sauce piquante? Ouais, vas-y. Ah oui, d'accord. Ok. Il aime bien les tacos. Fais attention, mon gars. Patron, c'était incroyable. Bah, écoute, je veux remanger ce tacos. Il me faut ma machine à remonter dans le temps. Ouais. Oula. Ah oui, d'accord. Il y a vraiment une machine à remonter. Enfin, quelqu'un qui pourra m'aider. Laissez-moi deviner, Dave veut encore remonter longtemps. Ouais, c'est ça, il veut manger du tacos. Et trêve de bavardage. Allons, cherchez mon tacos. Alors, le scénario est comme il faut. Il est magnifique, le scénario. Le gars veut des tacos. Bienvenue en Égypte. Oh là là, venez patienter, ça ne sent pas bon. Je suis sûr que mon tacos n'est pas bien loin. Ça plante pour moi. C'est parti, ok? Cette plante a l'air d'être affamée. Ouais, c'est le cas. J'ai pas tout lu. Hein. Faites glisser l'engrais sur la plante. Allez. What? C'est quoi ça? Oh, il transporte l'engrais. Récupérer l'engrais. Oui, oui, donne. Give me l'engrais. Attends, j'en veux plus. Les patates, David, c'est un voyage. Il manque un. Ah, ok, c'est parti. Donc, c'est un peu le système, je suppose. Du coup, on peut avoir des... Le petit soleil pour pouvoir. Ok. Attends, j'ai plus de soleil, sinon on va pas s'en sortir. Voilà. Waouh, j'ai des nouveaux. Attends, c'est quoi ça? C'est quoi lui? C'est quoi? Il lance des choux? Il lance des choux! Il est génial ce perso! C'est quoi ça? Ah, c'est d'être une mine. Attends. Ok, dès qu'il arrive, ça explose. Attends, mais si il explose, j'ai explosé mon. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, je crois très mal là, hein, pour le coup. Je sais que. Attends, regarde, ça, j'ai appris ça. Mais oui, bien sûr. Bien sûr que oui. Attends, parce que ça va pas du tout. Tac. Oui, vas-y. Il faut que tu m'enlèves. Il est dans le bas du zombie. Attends, je suis pas prêt. Et ben voilà, fallait pas avoir peur. Je sais, c'est Halloween, on est confiné en plus, on peut pas aller faire peur aux enfants. Ça d'ailleurs, faudrait qu'on en parle, je suis assez frustré parce que d'habitude je fais toujours peur aux enfants qui viennent demander les bonbons. Et là cette année je pourrais pas le faire, je suis hyper frustré. Vraiment. Du coup, je vais devoir faire peur à mes enfants. C'est pas... C'est mon rigolo. Ok, pour ce premier niveau, c'était vraiment, vraiment hyper sympa. J'aime beaucoup cette version-là. L'Égypte antique. Super. Ouais, blablabla. Bon, je vous laisserai lire hein, chez vous. Là, je vais vraiment... Hop. Avancer un max. Ok, on se refait une deuxième partie là-dessus. Peut-être que j'accélérerai, histoire que ce soit pas trop long. Et on passera tout de suite à la dernière version de Plants vs Zombies. Juste après ça. Alors, c'est parti. Ah, j'ai des trucs. Yes. Là, le monsieur, il va vous. Attends, mais. Sympa. Mais. C'est un peu plus cool, mon gars. Oh. Est-ce que moi, je fais des choses pas. C'est pour vous. On a débloqué un nouveau personnage. Celui-là touche jusqu'à 3 cibles dans sa ligne 2 fois de suite. Hey! Pas mal. Ok, on passe tout de suite à Plante versus Zombie, la toute dernière version, juste après ce cut. Ok, on est parti, Plante versus Zombie, version super-héros. Alors, là, il y a toute une bande dessinée. Ma dernière invention est presque finie. Tapotez l'écran pour continuer.
Voilà, ok. Donc c'est parti, j'ai hâte de découvrir cette version-là aussi. Ok, donc vous avez vu, nouvelle disposition. Hop, non, faut que je monte comme ça. Tac, maintenant l'écran est par ici. Ok, encore, on le retrouve celui-là. Salut voisin, tu te rappelles de moi? Ouais, je me rappelle de toi, et toi? Ouais, je me rappelle de toi. Ok, c'est parti. Donc là, on a des zombies. Préparez-vous à défendre, faites glisser une plante. Donc cette fois-ci, on est en vertical, hein. On est en portrait. C'est le même système, baston. Ok, ce zombie a un en force. Voilà, c'est bon. Il indique donc un point de dégâts. Ok, c'est bon. Et moi, cette plante a 1 en santé, il faut donc 1 point de dégâts pour la détruire. C'est parti. Donc, s'il me touche une fois, je meurs. Ok, j'ai compris. Si je touche une fois, il meurt. Donc, ok, donc on est tous les deux morts. C'est ce qui est bien. Voilà, c'est dommage. Zombie, à vous. Ok, et j'ai des cartes. Ah, mais attends, c'est pas du tout le même système au final. Ok. Donc, en fait, c'est vraiment une battle, quoi. C'est pas tout à fait la même chose. Baston. D'accord, je place mes cartes. Baston et c'est parti. C'est une autre façon de jouer qui est sympa en vrai. Franchement, je vous avoue qu'elle est pas mal. Ça change des autres plantes versus zombies, donc ça veut dire qu'on peut très bien télécharger le 1, le 2, le 3. Le 1 et le 2 se ressemblent énormément, mais le 2 est vraiment mieux fait niveau graphisme. Mais le 1, c'est question de nostalgie. Et le 3, franchement, c'est le même concept, mais let's play on joue différemment. Donc, du coup, pourquoi pas? En plus, il y a une sorte de bande dessinée, on est des super-héros, voilà, c'est le zombie. Super, c'est plutôt bien fait, donc celui-ci, je le valide aussi. Allez, j'ai envie de jouer, mon gars, j'ai envie de jouer. Voilà, ok. Alors, utilise le super-pouvoir de l'ombre verte de la ligne centrale. C'est comme ça, ok. Donc, je mets ça, et lui, bim, il le dégomme. C'est ça ou pas? Ouais, et puis lui, il va le dégommer aussi. Pourquoi pas? Voilà. Ah, il a 14 de vie, j'avais pas vu. Continue à attaquer ce super. Ok, il a 14 de vie. Comment je fais? Ah, voilà, j'ai une nouvelle carte. Zombie à vous. Ah, voilà, ok. En fait, j'ai pas beaucoup de choix, je suis obligé de faire ça. Et là, j'ai une nouvelle carte. C'est un champignon. Lui, il continue à dégommer l'autre, là, de 11. Lui, merci beaucoup. Elle était bien, cette carte, là, le petit champignon. Ça régale le champi, ça régale. Ok, donc là, cette fois-ci, j'ai droit à lui. On dirait la chanson des indestructibles. Je sais pas si c'était exprès. Ok, donc c'est super, ça j'avance bien. Eh, hey, il y a un nouveau personnage, on va le tester. 5-5. Ah, comment je fais? Attends, parce que j'ai une plante gagne 3. Ah, d'accord, ça je peux mettre là. Et lui gagne 3, donc ça veut dire qu'il va pouvoir dégommer un gars qui a 6. Ok, j'aurais pas dû faire ça du tout. Pas du tout, je viens de comprendre. Ok. J'aurais pas dû faire ça parce que l'autre là, le zombie génétiquement modifié, il va me dégommer, je pense. Allez, vous avez vu ça? Kaboum! Cette partie-là est invalide. Ce jeu-là, je vous dis, je l'invalide. Vous avez des nouveaux packs. Ouais, je prends. Allez, on va juste découvrir ça, du coup, et on mettra fin à cette vidéo. Ouais, standard. Boum, boum, boum. Un jeu de stratégie, on reçoit des renforts. Ok, des renforts. Ok. Vous avez de nouvelles cartes géniales. C'est parfait. Donc, ces cartes-là, je vais pouvoir les jouer pour à ma prochaine partie. Moi, je vais continuer tout ça. En off, bien entendu, pour que la vidéo s'arrête là. Je vous laisse découvrir ce jeu-là. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé le jeu, comme d'habitude. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et abonnez-vous à cette chaîne, s'il vous plaît. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos, mais vous n'êtes toujours pas abonné. Il y a encore plein d'autres vidéos qui arrivent et qui sont hyper, hyper fun. Donc, je vous laisse vous abonner. Allez, et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.